mesdames, messieurs, bonsoir. Citoyens et citoyennes, bonsoir. Citoyens et citoyenneté, voilà deux mots indissociables de la Révolution française. C'est pourquoi les organisateurs des rendez-vous d'histoire ont pensé un très grand spécialiste de la Révolution française, Monsieur Jean-Clément Martin, ici présent, pour nous parler de l'usage de ces mots, mais dans le contexte de la Révolution française. Les mots, vous savez, ils évoluent. Et seule la contextualisation historique permet de revenir de l'origine à la formation, à la fabrication des concepts. Monsieur Jean-Clément Martin le dira beaucoup mieux que moi. Je le présente brièvement, mais vraiment brièvement, parce que allez consulter Hash Google ce soir et vous allez être impressionné par sa production en la matière historique en général et sur la Révolution française, la contre-révolution et bien d'autres choses dans ce même contexte. Docteur S. Lettres de l'Université Paris 4, Sorbonne, 1987, j'allais inverser et dire 1789 pour rester dans notre spécialité. 1987 donc, il fut professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Nantes, puis en 2000 professeur d'histoire de la Révolution française à l'Université de Paris, Panthéon-Sorbonne, et directeur de l'Institut d'Histoire de la Révolution française, le CNRS. Et depuis 2008, il est professeur émérite à l'Université de Paris, Panthéon-Sorbonne. Il est membre de la Société des études robespierristes. Et il a dirigé la collection des éditions Gestes en grande question. Alors, s'il fallait que j'énumère sa production historiographique, on sera encore là pour longtemps. C'est pourquoi je me concentrerai, je vous l'avais dit, 4 titres, pas plus, que je vous cite juste pour vous mettre en appétit. La Révolution française, étape, bilan et conséquence, aux éditions du Seuil, 1996. Contre-révolution, révolution et nation en France, 1789-1799, édition du Seuil, et voilà, 1998. Nouvelle histoire de la Révolution française, chez Perrin, 2012. Et enfin, parmi les 4 ouvrages, La machine à fantasmes, relire l'histoire de la Révolution française. Sans tarder, je donne la parole à M. Jean-Clément Martin. Merci. Bien, je vous remercie de cette présentation sympathique et chaleureuse. Je voulais aussi remercier l'association de promotion d'histoire au Maroc qui m'a fait ce plaisir et cet honneur de m'inviter pour parler de la citoyenneté ici. Et je dirais que depuis 2 jours, je ne connaissais pas le Maroc, je ne savais pas du tout les débats qui étaient menés, j'ai appris beaucoup de choses et j'en suis très heureux et très honoré. Je voudrais donc traiter devant vous
relativement brièvement de cette question de la citoyenneté et de la place accordée aux femmes pendant la Révolution française. Alors, qu'on soit bien d'accord, même si je parle depuis la nation des droits de l'homme, puisque c'est souvent comme ça que l'on parle de la France, je dirais que je n'ai aucune prétention à donner des leçons à quelque titre que ce soit. Vous savez, ça a été rappelé tout à l'heure, la France a été elle-même l'un des pays parmi les derniers à accorder un droit de vote aux femmes en 1944. Et puis, encore aujourd'hui, je dirais, sans patrimonie, mais il me semble que il faut le dire, encore aujourd'hui, les études consacrées au genre font quand même problème dans l'université, un certain nombre de collègues rechignant à introduire ou à accepter des filières ou des séminaires interdisciplinaires sur le genre, même dans des universités prestigieuses. Je dirais aussi, sans être limonie non plus, que à côté des grosses polémiques que vous avez certainement vues dans la presse autour du genre en France aujourd'hui, il y a aussi, lorsqu'on est un homme et que l'on entend traiter de l'histoire des femmes et du féminisme et du genre, il y a de la part d'un certain nombre de femmes et de féministes, ce que je peux comprendre mais ce que je dois regretter, une certaine réticence à accepter qu'on intervienne. Donc on n'est pas là dans un paysage facile et on est souvent sur des idées qui sont, je dirais, fausses, même sur l'origine des questions telles qu'elles se sont posées au moment de la Révolution française. Et c'est pour ça que ce que je voudrais vous proposer là, c'est une réflexion qui ne sera pas connectée, qui ne sera pas reliée à d'autres pays, mais avec l'ambition de vous proposer une réflexion sur un mécanisme, de vous proposer une réflexion qui pourra éventuellement être étendue à d'autres exemples. Puisque c'est le point de départ est simple. La Révolution française, vous le savez, avec la Déclaration des droits de l'homme, décrète qu'il y a des citoyens et oublie de parler des citoyennes. Vous savez aussi que cette révolution à partir de 1789 va en définitive réduire le droit de suffrage et même encore plus le droit d'être élu à peu près la moitié des hommes et pas du tout aux femmes. Que cette révolution même en 1793 ne donnera pas de suffrage universel à tous les hommes, puisqu'il y a des clauses qui sont restrictives, il ne faudra jamais l'oublier, et jamais bien sûr aux femmes, contre lesquelles il y aura en 1793 une vraie hostilité à partir grosso modo de septembre 1793, avant qu'enfin en 1795, même si beaucoup d'hommes peuvent voter, encore moins peuvent être élus, et évidemment jamais les femmes. Donc, si je résumais mon propos à cela, on dirait la belle histoire, c'est fini, on connaît bien, et il me semble malgré tout qu'il faut passer derrière. Il faut regarder le texte des lois, puisque c'est au travers de ces extraits de loi qu'il me semble qu'il se dessine une autre histoire et que l'on peut apprécier d'autres mécanismes. Alors, cette histoire de la loi est quelque chose qui est aujourd'hui récent dans la mesure où il n'y a pratiquement qu'un an et demi seulement que l'ensemble des lois et des décrets, on en discutera éventuellement, mais ce n'est pas fondamental, l'ensemble des lois et des décrets pris entre 1789 et 1795 ont été réunis et mis en ligne. Ça peut vous paraître assez étonnant, il y avait bien des collections de lois complètes, mais à ma connaissance, il n'y en avait qu'une collection dans la bibliothèque du Sénat qui était quasiment inaccessible et une autre partagée en deux aux États-Unis. Donc, depuis un an et demi, nous disposons tous
par l'intermédiaire d'Internet, de la collection complète des lois qui s'appelle la collection Baudouin, B-A-U-D-O-I-N, qui permettent tout simplement de lire l'ensemble des lois. Ce qui, en définitive, change tout et ce qui me permet à moi de vous parler, effectivement, de ce qui a été véritablement dit dans la loi et d'essayer de montrer que, au-delà de cette histoire rapide que j'ai résumée à grands traits, il y a eu, au-delà de cette exclusion des femmes, il y a eu en définitive des transactions. Il y a eu le poids de la société sur le législateur et c'est de cela dont je voudrais rendre compte pour, en quelque sorte, montrer aussi, et je pense que ça répond en partie à ce qui a été dit depuis deux jours, qu'il y a bien derrière le mot citoyen, citoyenne, un ensemble de sens qui sont en définitive des sens imbriqués. On ne pourra jamais enlever et désimbriquer les uns des autres et qu'il est nécessaire tout simplement de comprendre comment ils se sont mis ensemble et comment ils ont composé cet ensemble un peu flou, un peu compliqué que l'on parle, que l'on dit aujourd'hui avec le mot citoyen. D'un mot, malgré tout, pour expliquer mon propos, et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que en France, avant 1789, bien sûr que le mot citoyen est d'usage. Le mot citoyen renvoie aux habitants de la cité, aux habitants actifs des cités antiques, et le mot citoyen est très utilisé, et le mot citoyen, avant la Révolution, devient aussi chargé d'un sens nouveau, notamment, ça pourra peut-être vous étonner, parmi un certain nombre de prêtres, on pourrait dire les prêtres patriotes, comme ils se définissaient eux-mêmes, qui estimaient que la religion chrétienne devait établir le bonheur sur la terre, et qui écrivaient, je cite, que lorsqu'on était un bon chrétien, on devait être un bon citoyen. C'est-à-dire qu'avant 1789, le mot citoyen désigne en définitive celui qui agit dans la cité, celui qui en est responsable. Il n'y a pas encore à ce moment-là d'exclusion, mais il y a là, en quelque sorte, les premiers cadres de pensée. Avec la Révolution française et dans la suite, en définitive, de la citoyenneté antique, le mot citoyen doit être défini. Le mot citoyen doit désigner celui qui est actif, celui qui peut prendre part à la citoyenneté, concrètement celui qui est propriétaire, celui qui a un intérêt à la cité, ça sera la définition de 1789, c'est-à-dire un suffrage censitaire, et on verra à partir de 1792 que se désigne, que se distingue un autre sens du mot citoyen, celui qui peut être actif parce qu'il est guerrier, parce que celui qui veut prendre part à la défense de la cité, et ce sera un des arguments essentiels pour dire que les femmes ne peuvent pas être armées et qu'il est intolérable que des femmes soient dans les armées révolutionnaires. Or, on verra, il y en avait, je l'ai dénombré, une centaine qui étaient des soldats actifs dans l'armée révolutionnaire après 1792, dont une bonne partie de femmes habillées en hommes et quelques-unes même officiers, commandants des hommes. Ce qui est assez rare, ce qui est pas très connu et qui mérite de l'être. Or, ce qui se produit, c'est qu'après 1794-1795, le mot citoyen change de sens. Et on le verra, je résume là encore mon propos autrement, on le verra avec un mot qui, en définitive, désigne tous ceux qui habitent dans le pays, quel que soit leur rôle et leur fonction, on sera rentré là dans une espèce de banalité du mot citoyen, dans quelque chose qui est finalement flou et qui n'engagera à rien, et on verra qu'en définitive, c'est aussi cela qui, au travers de l'attribution d'une banalité pour les femmes, désigne aussi cette espèce de déliquescence de la notion de citoyen qui est rendue possible pour les hommes, femmes et hommes-là se retrouvant ensemble dans le même destin.
Une chose, malgré tout, qu'il ne faut jamais oublier, c'est que être citoyen, c'est quelque chose qui se mérite. C'est-à-dire que être citoyen désigne aussi ceux qui ne peuvent pas l'être. Et ceux qui ne peuvent pas l'être, ce sont bien sûr d'abord les contre-révolutionnaires, ceux qui ne sont pas les amis de la patrie, qui en sont les ennemis. Et il est nécessaire de comprendre bien que derrière l'attribution du mot citoyen, il y a là toujours en jeu ce rapport entre inclusion et exclusion, qui est le lot de toute citoyenne, de toute cité, de toute communauté, mais qui porte là aussi des conséquences extrêmement importantes. Alors, pour expliquer ce que je viens de vous dire, je voudrais tout simplement adopter un plan parfaitement chronologique, un plan chronologique qui va correspondre aux grandes phases de la Révolution, et je préfère les énumérer tout de suite pour que tout le monde me suive sans difficulté. De 1789 à 1792, c'est-à-dire avant l'entrée en guerre, avant le besoin de la mobilisation, dans la loi, dans les décrets et dans les lois, il n'y a pratiquement pas de place pour les femmes et aucune place pour les citoyennes. On verra qu'à partir de 1792, le mot « citoyenne » intervient dans la loi. Intervient dans la loi, mais je vous laisse découvrir la façon dont il le fait, et c'est parfois un peu surprenant, dans ce jeu d'indécision, dans ce jeu de tension, avant qu'à partir de 1794, le sort du mot citoyenne soit scellé et qu'il désigne là tout simplement un individu dans l'ensemble de la nation. 1789, petit rappel quand même de la Déclaration des droits de l'homme, l'article 4, nul n'est bon citoyen s'il n'est bon fils, bon frère, bon ami, ce qu'on ne dit tout le temps. L'amitié est fondamentale dans la Révolution, sous-entendu, ami ennemi. Donc, bon fils, bon frère, bon ami, bon époux. Vous notez qu'au moins aux deux occurrences, derrière la définition, les femmes sont présentes. Pas de fils sans mère, pas d'époux sans femme, au moins en France en 1789. Donc on a là une invisibilité des femmes dans la définition des droits de l'homme, de la Déclaration des droits de l'homme, qui est attestée même dans les moments, je dirais, les plus emblématiques de la Révolution. Au moment du 14 juillet 1789 et dans l'année qui suivra, il va y avoir la désignation d'à peu près 1000 vainqueurs de la Bastille. Parmi ces 1000 vainqueurs de la Bastille, il n'y a qu'une femme. Une femme. Une femme, Marie Charpentier, femme au CERN, je cite, qui s'est distinguée au siège de la Bastille, y combattant avec les hommes, y signalant un grand courage, et laquelle a été expropriée en cette occasion, recevra chaque année pendant sa vie, à compter du 14 juillet 1789, 200 000. On ne dit pas que c'est une citoyenne, c'est une femme, mais c'est la seule femme qui va être citée au moment de la prise de la Bastille. Et dans toute l'année 1789, 90, 91, le mot citoyenne, n'apparaîtra que sous une forme d'adjectif, je cite, c'est en février 1790, pour parler, ça va vous étonner, de douleur citoyenne. Si on ne parle pas de citoyenne, on a tout simplement mis le mot citoyen comme adjectif et on ne trouve pas de place ni pour les citoyennes ni pour les femmes. Avec cependant, en 1792, au moment où la législative se sépare, avant la Convention, quelque chose qui est intéressant, c'est le vote des lois sur le divorce. Et la loi sur le divorce ne parlera pas d'hommes et de femmes, mais parlera des époux. C'est
C'est-à-dire que le mot époux va désigner indistinctement la femme ou l'homme, le conjoint ou la conjointe. Et dans tout le texte de la loi, il n'y aura pas en quelque sorte de mot genré, de mot sexué pour désigner l'un ou l'autre des époux. Et au passage, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que cette loi sur le divorce est une loi parfaitement égalitaire entre les hommes et les femmes, même si le mot femme n'y apparaît pas. Alors, la rupture, c'est 1792. C'est 1792, et ça correspond à ce qu'on disait tout à l'heure, les moments de crise, les moments de mobilisation, les moments où il faut faire appel à l'union de tout le monde, même des femmes, permettre certainement aux femmes d'entrer dans la sphère politique et dans la reconnaissance de la vie publique. Et c'est le cas en septembre 1792, lorsque une femme va, et c'est la première occurrence du mot citoyenne en termes de nom, qui apparaît dans la loi, et je cite, c'est une loi du 7 septembre 1792, « L'Assemblée nationale, considérant que la veuve Poissonneau, dont le mari avait servi pendant 8 ans la patrie, se trouve aujourd'hui dans l'indigence, par le dévouement généreux de 5 enfants qui lui restent de 22. » Noter à quel point son rôle de mère est essentiel, on y reviendra, et qui sert actuellement sous les drapeaux de la liberté et de l'égalité, considérant que cette vertueuse citoyenne a des droits incontestables et sacrés à la bienfaisance publique, des craintes, etc., on lui accorde donc une pension de 400 livres. Et là, vous estimez, et c'est normal, que la vertu de cette femme qui a donné ses enfants et son mari à la patrie et qui est dans la misère, et mérite bien le titre de citoyenne. On pourrait dire, voilà, la République reconnaît la vertu même des femmes. Le problème, c'est que dans le même temps, à quelques mois après, le mot citoyenne, employé de la même façon, va qualifier, et là c'est beaucoup plus inquiétant, la citoyenne Charlotte Dorothée Rodelin Rohan Rochefort, et tout simplement cette citoyenne-là est une citoyenne contre-révolutionnaire. C'est-à-dire, dans le même temps, la révolution reconnaît la vertu d'une citoyenne, et dans le même temps, elle attribue la dénomination citoyenne à quelqu'un qui est une contre-révolutionnaire, qu'on poursuit devant le tribunal révolutionnaire et qu'on va envoyer à la guillotine. C'est-à-dire, dit autrement, que le mot citoyenne-là, il n'a pas de définition clairement politique, et qu'on est dans une espèce d'indécision bizarre, où le mot citoyenne est employé pour qualifier à la fois une femme républicaine et une femme qui est clairement contre-révolutionnaire. Et il y a là quelque chose qui est troublant, puisque c'est dans cette tension-là qu'il va y avoir tout le temps l'emploi du mot citoyenne. Avec des occurrences étonnantes. Une occurrence assez étonnante de décembre 1793 qui a échappé à pratiquement tout le monde. Lorsque la Convention nationale, on est en décembre 1793, on vient de fermer tous les clubs de femmes, on vient d'exclure les femmes des armées et on vient d'interdire même que les femmes puissent arborer la cocarde tricolore. Donc là, on est bien dans une réaction misogyne extraordinairement importante de la part de toute la Convention, sauf grosso modo 2 députés. Enfin, tous les autres députés sont quasiment unanimes pour rejeter les femmes de la sphère publique. Et malgré tout, décembre 1792, la Convention nationale attribue, je cite, à titre de secours annuel et viager, la somme de 365 livres à la citoyenne Jeanne Audot, et je continue, femme de couleur, native de Léogane, donc on est à Saint-Domingue, Haïti, âgée de 114 ans, donc on sait bien que l'état civil peut avoir quand même un certain nombre d'indécisions. Cette Jeanne Audot, qu'un autre texte va qualifier tout simplement de négresse, native de l'île de Saint-Domingue, et on lui attribue cette somme tout simplement liée à son âge. Alors, là encore, cette citoyenneté est une citoyenneté qui n'est pas relative à l'activité publique,
qui n'est pas relative à une implication dans la défense de la nation, et on est là encore dans quelque chose qui distingue des femmes remarquables, tout simplement parce que soit elles ont beaucoup d'enfants, soit elles sont véritablement les doyennes de la nation. Alors pourtant, on va trouver un usage du mot citoyenne pour qualifier les femmes actives dans la défense de la Révolution. Mars 1793, les représentants en mission autour de La Rochelle font obtenir par la Convention que soit reconnu le courage des citoyennes de la ville de La Rochelle qui ont défendu la ville contre les contre-révolutionnaires, contre les Vendéens. Et mieux même, la Convention accorde une mention honorable aux citoyens et aux citoyennes de la ville de La Rochelle qui, je cite, ont bien mérité de la partie. Donc, on a affaire là à une espèce de reconnaissance politique, une reconnaissance publique qu'on va trouver, je passe brièvement, de la même façon aussi, pour l'Aveyron, où dans les grosso modo avec les mêmes termes, on va là encore féliciter les citoyennes de leur action en faveur de la République. Et puis, enfin, mieux encore, il va y avoir une désignation des citoyennes comme fonctionnaires de la nation. C'est quelque chose qui, là aussi, mérite d'être relevé. Puisque, à partir de mai 1793 et encore en juillet 1793, la convention nationale va décider de reconnaître que les citoyennes peuvent avoir un zèle exceptionnel et un rôle dans la défense nationale. Je cite pour mai 1793, les représentants du peuple, je cite, exciteront le zèle et le civisme des citoyennes, je continue, c'est la suite bien sûr qui est importante, ils leur recommanderont de contribuer de leurs travaux à l'habillement des défenseurs de la patrie et pour préparer la charpie. C'est-à-dire qu'on confine les femmes dans les tâches traditionnelles qui sont liées aux femmes dans la société classique, c'est-à-dire le soin de l'habillement et le soin aussi de prodiguer des secours aux défenseurs de la patrie ou à l'ensemble des habitants. Plus intéressant, mais tout aussi limité, en juin-juillet 1793, la Convention nationale décide de créer ce qui s'appelle une maison de secours destinée aux pauvres et destinée aux jeunes femmes ou aux vieilles femmes dans le besoin. Et pour cela, malgré tout, il y a quelque chose là qui est extrêmement important. On demande que soit composé dans chaque commune, inutile de vous dire que ça n'a pas été, que ça n'a pas existé, mais malgré tout, le principe est là, on demande que dans chaque commune soit constitué un comité, je cite, de citoyennes désignées fonctionnaires. Donc là, quelque part, on reconnaît un rôle public aux femmes dans l'administration locale de la France. Donc, désigner fonctionnaire pour définir et répartir les secours qui seront envoyés aux femmes, bien sûr, aux enfants et aux vieillards. Et il y a là une désignation de 8 femmes par commune qui devront, je cite, assister les secours de l'officier de santé. De la même façon encore, et plus tardivement encore, on reconnaît, la Convention nationale reconnaît au travers d'une loi, juste citée comme ça, qu'il existe, je cite, des citoyennes infirmières de la Maison nationale des invalides. C'est-à-dire que là encore, il y aurait, à côté des tâches attribuées traditionnellement aux religieuses, il y aurait là une espèce de laïcisation, une espèce de fonctionnalisation de la création d'un statut, en quelque sorte, d'infirmière. Presque tout cela, on est donc en 1793, alors que je le disais tout à l'heure, c'est le moment de la répression misogyne de toutes les demandes féminines, l'éviction des femmes soldats de toutes les armées.
Et on a affaire en même temps à quelque chose qui est peut-être une hypocrisie, ou tout au moins le moyen de donner à bon compte quitus de l'action des femmes en leur donnant des secours sous certaines réserves. Et sous certaines réserves, en juin 1794, la Convention nationale décide d'attribuer des récompenses à des femmes qui méritent effectivement de la patrie. Alors, quelles sont les femmes qui méritent de la patrie? Je cite, c'est du 1er juin 1794, ce sont les citoyennes qui réuniront à la fois les titres de mère et d'épouse, de veuve et d'épouse, ou tout ensemble de mère, veuve et épouse de défenseurs de la patrie. C'est-à-dire que dans tous les cas, c'est en fonction du statut des hommes, du lien que ces femmes ont avec des hommes, soit défenseurs de la patrie vivants, soit morts, que les femmes peuvent obtenir des reconnaissances de citoyennes et peuvent obtenir des secours de la nation. Donc on est là, non pas dans une ouverture, mais bien dans une restriction. Ceci étant, on est en juin 1794, et à un moment étonnant, à un moment où on a supprimé tous les droits des femmes politiquement, et il y en a beaucoup à ce moment-là, les femmes sont honorées, mais surtout lorsqu'elles sont épouses, allaitantes, donc avec un enfant au sein, ou qu'elles sont, je cite, de jeunes vierges qui sont là destinées à aider à soutenir de leurs bras les vieillards que l'on conduit sur le lieu de la fête. Donc on a affaire là à une situation de restriction qui va continuellement s'aggraver, qui va s'aggraver lorsque même on va attribuer étonnamment là aussi quelques secours à ces femmes soldats dont je parlais tout à l'heure. On leur accorde des pensions en même temps qu'on les oblige à quitter les armées nationales, ou lorsque dans un seul cas précis on attribuera un secours à une certaine citoyenne Bourges. Alors il est à mon avis intéressant de citer l'ensemble de la citation. Cette citoyenne Bourges, qui reçoit une somme de 300 livres, ce qui est relativement important, c'est à peu près le salaire d'un an d'un journalier. Alors je cite, elle a reçu une indemnité pour les services importants rendus à nos braves frères d'armes blessés dans les combats, en se dépouillant des chemises qu'elle portait sur son corps pour panser leurs blessures et en unissant tous les actes de courage à ceux de l'humanité et de la bienfaisance. Lorsqu'on regarde son dossier, cette femme rouge a été soldat, s'est battue. On ne retient à la Convention nationale que son rôle d'infirmière, son rôle bienfaisant, et on oublie cette possibilité pour les femmes d'être actives militairement. Pour mention, s'il ne faut jamais oublier, parce que ça va paraître bizarre, mais c'est une autre logique, dans les armées vendéennes, les femmes se battent. Il y a une femme notamment célèbre qui est habillée en homme et qui, avec un sabre, qui est cavalière, et qui, avec un sabre, a abattu 21 hommes. Et tout le monde le sait, y compris dans son monde. Bon. Et une autre femme, qui elle a aussi été habillée en homme, qui commande un petit détachement de cavalerie de l'armée de Charette continuellement. C'est-à-dire, paradoxalement, les femmes soldats dans les armées contre-révolutionnaires, soit par habitude de ce qui est une société verticale, soit tout simplement par respect de la noblesse, ont un rôle que la révolution ne veut pas accorder aux citoyennes républicaines. Ce qui est quand même quelque part assez paradoxal. Et on arrive là à 1794, c'est-à-dire au moment où, vous le savez, Robespierre va être exécuté, au moment où il va y avoir une espèce de reprise en main par la Convention, par les amis de Robespierre, hein, qui vont tout simplement charger Robespierre de tous les péchés du monde et qui vont inventer le mot terreur, parce que quelque chose à quoi je tiens, c'est que la Convention avait rejeté, je dis bien rejeté, tout système de terreur pendant toute la durée de la
la Révolution, et que ce sera après la mort de Robespierre que l'on qualifiera de terreur ce qui vient de se produire. Je crois qu'il faut garder ça en tête, même si c'est difficile à admettre, et que ça va contre toute une historiographie qu'on apprend dans le monde entier. Mais donc, après la mort de Robespierre, qui se traduit là par une reprise en main véritablement de toutes les forces populaires et la continuation de l'éviction des femmes de l'espace public, un décret est pris, et je le cite en entier, et bref, c'est Robespierre a été exécuté 19 jours plus tôt. Je cite, la Convention nationale, sur la proposition faite d'ajouter dans le décret concernant la mise en liberté des citoyens ouvriers et cultivateurs, le mot « citoyen » passe à l'ordre du jour, c'est-à-dire refuse de statuer, motivé sur ce que le mot « citoyen » est générique. Dit clairement, simplement, ça veut dire qu'en août 1794, la révolution qui a balbutié, c'est ce que je vous ai montré tout de suite, sur l'emploi du mot citoyenne, qu'il l'a pris dans un sens ou un autre, dit on n'introduira pas le mot citoyenne dans les lois, puisque le mot citoyen désigne la communauté hommes et femmes, et ça veut dire très clairement là qu'il est hors de question d'accorder une quelconque citoyenneté aux femmes. Alors, malgré tout, c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple, et en même temps, ça l'est, ça. Ça l'est dans la mesure où, en janvier 1795, alors, par le plus grand des paradoxes, la veuve d'un des généraux vendéens, qui est Madame Bonchamp, va être acquittée par un tribunal que 6 mois plus tôt, elle aurait été exécutée sans procès. Là, on va l'acquitter tout simplement parce qu'elle aurait rendu service en libérant des citoyens. C'est son mari qui avait obtenu la libération de prisonniers. Mais surtout, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est qu'on l'appelle citoyenne. On appelle la veuve d'un général vendéen la citoyenne Bonchamp. On est là dans une espèce de paradoxe. Le paradoxe qui désigne ce que j'avais dit d'emblée, à partir de 1794, de la fin de 1794 et de 1795, le mot citoyenne n'a plus de sens. Le mot citoyenne n'a plus de sens. Les femmes qu'on va libérer des prisons, y compris lorsque ce sont des religieuses qui ont échappé éventuellement par miracle à la guillotine, seront qualifiées de citoyennes. Les femmes qu'on a souhaitées parce qu'elles avaient soutenu les prêtres réfractaires et qu'on va blanchir juridiquement seront qualifiées de citoyennes. C'est-à-dire que le mot citoyenne a perdu tout sens, mais je dirais le mot citoyen aussi. C'est-à-dire que le mot citoyen désigne quoi ? Le suffrage universel masculin est presque universel, presque, puisque il faut avoir des attestations de logement sur au moins un an pour pouvoir être électeur, ce qui est beaucoup dans les villes et ce qui élimine énormément de gens. Mais donc, si on habite dans une ville depuis un an, on peut être électeur. En revanche, pour être élu, les conditions de suffrage sont extrêmement compliquées. Et donc, ce qui veut dire qu'à partir de 1795, le mot citoyen désigne tout simplement un individu, homme ou femme, qui vit en France. Et qui ça n'a donc plus de valeur politique véritable. Alors, pour conclure ce petit tour au travers de la loi et au travers de la difficulté par laquelle les législateurs ont traduit les tensions, il me semble possible de tirer des conclusions un peu opposées les unes aux autres, mais qui sont, à mon avis, toutes alliées ensemble. La première conclusion, la plus triste, la plus triviale, c'est de dire que tout ça pour ça, comme on dira sous directoire en 1795, finalement, lorsque le roi avait convoqué les états généraux, ce qu'il ne faut jamais oublier, tous les hommes de plus de 25 ans avaient pu prendre part au vote. Tous les hommes pouvaient être élus. Et il y avait même eu des femmes qui avaient pris part au vote lorsqu'elles étaient chefs de famille, veuves, ou lorsqu'elles étaient abbesses,
de certains hommes, et il y a au moins un cas assez particulier, où une femme abbesse était la seule représentante de l'ordre qui était un ordre mixte, c'est l'abbaye de Fontevraud pour ceux qui connaissent, et cet ordre de Fontevraud rassemblait des hommes et des femmes. Mais les hommes n'avaient pas eu le droit de voter, l'abbesse avait le droit de voter. Donc en 1789, il y avait, en quelque sorte, même si le mot est tout à fait exagéré, une espèce de suffrage universel. En 1795, après ces hésitations, après cette espèce d'envolée soigneusement contenue, il y a bien fermeture jusqu'en 1944. Il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire que là, les Françaises en prennent, si j'ose dire, pour 150 ans d'exclusion de la République. C'est la première conclusion, et on voit bien que cette conclusion-là fait voir le monde. La deuxième conclusion est peut-être pas vraiment rassurante, mais malgré tout, pour moi, elle a un mérite important, c'est de rappeler que les choses ne sont jamais réglées. C'est de montrer qu'au travers de ces exemples que je vous ai donnés, qui a obligé les législateurs, tous les hommes bien sûr, à promulguer ces lois qui reconnaissaient de temps en temps des mérites aux femmes. Et je me sens qu'il ne faut pas là vraiment insister sur le caractère de ma source. Je n'ai pas parlé de discours, je n'ai pas parlé de quelqu'un qui voulait faire quelque chose. Je vous ai parlé de lois inscrites dans le corps des lois, de lois décidées au nom de la nation par le législateur qui n'était représenté que par des hommes. Donc, pourquoi des hommes se sont sentis obligés d'accorder temporairement, même mal, des avantages à des femmes tout en essayant d'éliminer, de les exclure et tout en essayant là aussi de contenir leurs revendications, sauf la pression sociale. Sauf l'obligation de mobiliser l'ensemble de la société, sauf la reconnaissance que les femmes jouaient un rôle. Donc, il y a là quelque chose qui me semble essentiel à comprendre. C'est-à-dire que derrière une évolution qui pourrait paraître linéaire, qui pourrait paraître réglée d'avance, il me semble qu'on se rend compte là que ce qui avait surgi dans le corps social, les revendications féminines et féministes, il y en a à ce moment-là, ont été suffisamment fortes pour que les hommes, même assurés de leur pouvoir, laissent un petit peu la soupape de sécurité soulevée et la pression s'échapper. Et il y a là quelque chose qui est important parce que ce qui s'est passé entre 1792 et 1794 n'est pas perdu. Je dis sérieusement, et ce n'est pas pour avoir une sorte d'optimisme béat, c'est que lorsqu'on regarde dans les années 1820 et surtout 1830, vous me direz, 40 ans après, 50 ans après, c'est long, mais Napoléon a été terrible vis-à-vis des femmes, c'est vraiment là une dictature des femmes, c'est quelque chose qui est une misogynie totale, et il faut attendre les années 1830 pour qu'un certain nombre de femmes, même dans les campagnes, puissent se souvenir de ce qui avait eu lieu dans les années 1790-1794 pour exiger des lois et pour éventuellement mobiliser des juges, mobiliser des gendarmes pour que soient reconnues des lois et des droits de ces femmes et notamment lorsque ces femmes avaient à se plaindre des violences sexuelles dans certaines campagnes. C'est-à-dire que même mal, même tardivement, ce qui avait été semé dans les années de la Révolution était resté quoi que les hommes aient pu faire et quoi que les hommes aient pu entreprendre par la suite pour museler la parole des femmes. Il me semble que c'est là-dessus qu'il faut vraiment conclure pour continuer à dire que sans la société, il n'y a pas de droit, que le droit, c'est vraiment quelque chose qui résulte des transactions et que ces transactions se font au travers des rapports de force et que c'est vraiment quelque chose qui, je dirais, pas ici, parce qu'en vous entendant, j'ai l'impression que vous en êtes tous convaincus, mais au moins en France, il faudrait rappeler. Je vous remercie.
merci, professeur, pour cette archéologie qui se détour par la Révolution française pour constater en fait que la citoyenneté est un long processus, est une construction continuelle. Maintenant, le débat est ouvert. Toutes les questions sur ce thème sont les bienvenues. Quelqu'un ouvre le bal. Voilà. Madame, la France américaine. En question. Citoyenne. Alors, bon, c'est un sujet que je ne connais pas très bien. Alors, j'ai vraiment bien apprécié, je vous appris, entre, vous avez dit qu'il y avait 2 ans où il y a eu un acquis, un certain acquis, en 90-92. Alors, j'aimerais bien savoir comment cette mémoire a pu transiter, a pu perdurer une 50aine d'années plus tard pour se trouver dans la bouche d'une femme dans la campagne qui réclame voilà, les droits. J'aimerais bien connaître un petit peu ce processus. Alors, d'abord, merci de venir sur un terrain. J'ai bien conscience que d'avoir fait un discours d'historien extrêmement pointu, extrêmement spécialiste, mais si vous me permettez, avant de vous répondre, je dirais simplement et fermement que je revendique la nécessité de revenir à l'érudition historienne si l'on veut éviter de répéter trop facilement des leçons générales et des mots qui sont employés souvent sans vérification. Et ça fait maintenant, si j'ose dire, 30 ans que je fais ça, et mon incident autour de la terreur n'est pas, bien sûr, par hasard. C'est-à-dire qu'il est vraiment nécessaire, et beaucoup plus qu'on ne le croit, de remettre vraiment sur le tapis, de remettre sur le métier les relectures des textes, en évitant de rester dans les polémiques, dans les habitudes historiographiques, pour revenir au bout. Ça peut paraître étonnant ce que je vous dis, mais je suis absolument convaincu de la nécessité de le faire et de la raison de le faire. Bon, alors attends, pour vous répondre. Pour vous répondre, oui, parce que ce qui se passe donc entre 1792 et 1794, c'est, malgré tout, quoi qu'on en dise, là, une mobilisation générale de la nation. Et cette mobilisation générale de la nation, c'est quelque chose qui, en définitive, aura marqué toute la France, et c'est, il ne faut jamais l'oublier. Donc là, on est rentré dans la psychologie des Français, qu'ils soient révolutionnaires ou contre-révolutionnaires, dans un espace politique qui ne sera, en quelque sorte, jamais oublié. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Donc, ce à quoi je faisais allusion très précisément, c'est un travail que j'ai mené il y a presque 20 ans sur les violences sexuelles dans le sud de la Vendée. Alors là aussi, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est précis, qu'est-ce que c'est extraordinairement spécialisé, mais d'un mot. La Vendée, tout le monde la connaît, c'est une région contre-révolutionnaire, sauf le sud, qui est une région républicaine. Et dans les années 1830, la loi change. Et la loi permet qu'effectivement, on puisse poursuivre des auteurs de violences contre les femmes. Et paradoxalement, bizarrement, c'est là où il y a des traditions républicaines que les femmes s'assemblent pour demander réparation en s'adressant aux juges et aux gendarmes. Dans la région contre-révolutionnaire, la pression des hommes, la pression communautaire soit suffisamment forte, c'est dans la zone républicaine, parce qu'il y a des habitudes de circulation des idées, parce qu'il y a des habitudes de circulation, de mobilisation, que les femmes s'assemblent. Ça peut paraître assez incroyable, et que les femmes obtiennent même réparation d'actes de violence sur elles commises 10 ou 20 ans plus tôt. Donc, on est là dans une espèce de mémoire
de mobilisation politique qui joue et qui rejoue. Bon, ça, c'est pour parler de paysannes ordinaires du sud de la Vendée, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'à côté, et je ne vais pas citer exprès, mais il y aurait des exemples de femmes lettrées qui ont utilisé les mémoires de Manon Roland, les discours de l'âme de Gouges, et qui, dans les années 1820-1830, vont être des militantes féministes dans les mouvements saint-simoniens ou dans tous les courants socialistes, comme ça peut s'amener à ce moment-là, les années 1830. Je pense à Tristan Florent ou à Georges Sand. Non, la mémoire de la Révolution, elle est diffuse, elle est présente, elle est entretenue et elle devient perceptible. Alors, c'est un ruisseau avec toute la faiblesse de ce que ça veut dire, mais il me semble malgré tout que cette mémoire-là n'a pas été perdue et qu'elle a alimenté progressivement les mouvements féministes du milieu du 19e siècle français, même si, il ne faut jamais oublier, le droit de vote des femmes, c'est 1944. Hein. Pour des raisons historiques aussi. Soit fait ici. Moi, je veux juste dire un mot, parce que on a du mal à comprendre cette situation de l'extérieur, bien entendu, de loin. Lorsqu'on sait que, à l'époque, la France a connu des grands philosophes, de grandes publications ont été faites sur les droits de l'homme, sur la femme, sur un certain nombre d'éléments qui ont permis, bien entendu, de faire la déclaration des droits de l'homme. Et dans cette situation, on retrouve ces cas d'espèce qui semblent un petit peu... En plus, je pense... Enfin, moi, personnellement, je sais que cette période est une période très trouble. Très difficile. Et on passe facilement d'un chef soutenu qui a sa place dans la Révolution à la guillotine. Et donc, dans ces 3 ans d'ailleurs, on a vu beaucoup de chefs qui sont apparus, qui ont fait la Révolution. Troisième chose, troisième partie du tableau, la France était menacée. Et quatrième partie, il fallait juger le roi. La reine. Alors, dans ce tableau-là, d'abord, pour l'historien que vous êtes, je suis certain que vous êtes allé chercher vos informations dans des sources plus proches de la population que des sources que nous manipulons à propos de l'histoire de la France. Certainement des sources locales, des sources... Si vous pouviez nous dire quelques mots là-dessus. D'un mot, je comprends que vous soyez vous étonné. Je suis désolé, même si ça vous désole. Mais d'un mot, je le redis. Ce que je vous ai cité là, ce ne sont ni des discours, ni des positions personnelles, ni des choses que j'ai pu trouver comme ça. Ce sont les textes de la loi. C'est-à-dire que ce sont les documents officiels, et vous pouvez les vérifier immédiatement si vous avez l'ordinateur sous la main ou votre smartphone, vous tapez collection Baudouin et vous tombez dessus. Tant que vous vérifierez les citations, elles sont peu nombreuses, vous tapez citoyenne et vous verrez. Donc, je n'ai pas parlé de positions bizarres. J'ai parlé de la parole que la France donnait à l'ensemble de la nation. C'est pas à dire que c'est quelque chose d'essentiel. On est bien d'accord. Bon. La deuxième chose, c'est lorsque vous opposez cette situation-là aux philosophes, si vous me permettez, moi je dirais 2 ou 3 choses. La première chose, c'est que une chose est l'histoire des idées, que je respecte, que je crois nécessaire, mais que je pense en tant qu'historien du social et du politique, inadapté à rendre compte d'une réalité. Je pèse mes mots, hein. Je ne me trompe pas sur les mots. L'histoire des idées est une histoire spécialisée. Lorsqu'on sort de l'histoire des idées, on ne doit pas pouvoir dire que l'on parle d'un pays. Ce n'est pas possible. Voilà. Donc, l'histoire des idées, c'est dans un milieu précis.
Et je crois que là-dessus, il y a vraiment, je le disais tout à l'heure d'une façon un peu sévère, il fallait revenir à l'érudition. C'est là aussi, pour moi, une grande préoccupation, ne pas tout confondre. Parce que si nous confondons tout, comment? Parce que nous butons là-dessus depuis tout le temps. Si la France est la France de Diderot, de Montesquieu et de Rousseau, pourquoi cette France a été celle de Carrier, de Robespierre et a envoyé, a tué 400 000 personnes? Voilà. Mais je pense que c'est un mauvais problème. Ce n'est pas le tout. Ce n'est pas une façon de poser la question. Parce que soit on croit que les idées mènent le monde et on est déçu parce que ces idées échouent, soit on croit que ces idées sont mauvaises et on trouve normal que ces idées aient conduit à la guillotine et aux atrocités. Et je pense qu'il ne faut pas poser de problème comme ça, du tout. Bon, ça n'a rien à voir. Une réalité politique, c'est une réalité politique. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, bizarrement, les hommes politiques qui prennent le pouvoir, quel qu'il soit, hein, parce que les chefs pourront monter à l'échafaud, ils sont tous, sauf pratiquement deux, misogynes. Donc, très concrètement, c'est Condorcet et un obscur député qui s'appelle Guillaumard. Bon. Mais tous les autres sont misogynes, que ce soit Robespierre, que ce soit Danton, pas tous, plus ou moins gravement, si j'ose dire, mais ils le sont tous. Bon. Et tous ces hommes sont aussi des gens qui, il ne faut pas l'oublier aussi, rejettent, ça peut vous paraître étonnant, mais rejettent les Lumières, rejet des philosophes. On connaît une diatribe très très forte de Rousseau, de Robespierre en 1791 contre Rénal, qu'il traite de l'abbé Rénal, et on sait surtout qu'un certain nombre de ces hommes ne supportent pas que les philosophes aient pu développer leurs idées dans les salons des femmes. C'est la misogynie, elle est là. Et c'est pas, quand je dis ça, c'est pas une vision personnelle. Hein. Ils le disent explicitement. Ce qui sert d'accusation contre les Girondins, c'est que ces Girondins étaient liés à Madame Roland, liés aux femmes. Dans le procès du roi, ce qui a été en grande partie déterminant à côté de beaucoup de choses, on accuse le roi, je cite, et vous mettrez tous les sous-entendus que vous voulez, parce qu'ils étaient bien présents dans la tête des hommes, le roi, on l'accuse d'avoir été manipulé par Marie-Antoinette. Oui. Voilà, c'est le mot. Bon. Donc il y a là une volonté d'exclure les femmes, bon, au point où une historienne américaine, Lynn Hunt, a fait une lecture psychanalytique en utilisant la théorie de Freud sur la romance familiale pour montrer qu'il y avait eu, je résume brièvement et je caricature, cette assemblée des frères pour tuer le père et posséder la mère. Bon. Et ce qui n'est pas complètement faux, c'est-à-dire que ça correspond à quelque chose, c'est une clé pour ouvrir un fonctionnement mental d'une époque. Donc on est bien là dans une réaction. Alors moi je dirais, en historien social, cyniquement, ma position est simple, ces hommes qui prennent le pouvoir sont des roturiers, sont des non-nobles. Ces non-nobles ont éliminé, en prenant le pouvoir, la noblesse. Ils savent parfaitement que les femmes nobles et une partie de la bourgeoisie sont plus qualifiées qu'eux. C'est-à-dire qu'ils auront éliminé leurs rivaux hommes à cause de la noblesse, je caricature, mais grosso modo c'est ça, et ils ne peuvent pas supporter que des femmes cultivées, lettrées, puissent prendre le pouvoir sur eux. Et il y a là une concurrence de pouvoir qui me semble être un mécanisme, je dirais, ordinaire de prise de contrôle, qu'on va retrouver notamment en 1848, parce que là on trouvera encore les mêmes phénomènes, où
que les gens du peuple ne veulent surtout pas que les femmes puissent voter parce qu'ils savent bien que leur pouvoir, qui est fragile, sera battu par le pouvoir que ces femmes nobles peuvent posséder du fait de leur culture, de leur richesse et de leurs relations. Donc, la rivalité homme-femme, c'est une rivalité pour le pouvoir. Si les Français refusent le droit de vote aux femmes jusqu'en 1944, c'est tout simplement que les assemblées signent que les femmes sont sous le contrôle des prêtres. C'est la droite catholique. Bon. Et qu'on ne veut pas donner le pouvoir aux femmes, parce que si on donne le pouvoir aux femmes, ça sera le pouvoir des prêtres. Donc l'anticléricalisme et la misogynie deux décrets pour exclure les femmes des armées. Et paradoxalement, ce qu'on voit quand on regarde les dossiers, c'est que les femmes étaient habillées en hommes, certaines étaient parfaitement invisibles. Ça peut vous paraître étonnant, mais même techniquement, si j'ose dire, on pouvait être habillé en homme, vivre comme un homme, sans pratiquement que personne s'en rende compte. Bon. Mais pour beaucoup d'autres, et je pourrais faire la démonstration pour vous, pour beaucoup d'autres, en revanche, on est assuré que l'entourage immédiat est au courant et protégé. Ça veut dire que dans les catégories sociales ordinaires, je veux dire, il n'y avait pas cette rivalité-là. Mais que c'est bien au niveau de ce que ça représente en termes symboliques, qu'on ne veut pas de femmes armées. Et je vous passe les expressions très misogynes et très déplacées pour condamner le fait que les femmes puissent avoir des pistolets à la ceinture. Bon, des propos absolument invraisemblables, dit à la Convention. Hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la rue, on n'est pas dans les journaux du Père Michel, on est là à la Convention. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'il faut bien prendre en compte. Pour mettre tout le monde d'accord, Napoléon c'est pire. Hein. Et en termes d'écrasement des soldats, en termes de misogynie, en termes de mépris des femmes, c'est abominable. Bon, donc, je ne dis pas ça pour accabler la Révolution, ni les Français, ni personne. J'essaie de prendre compte de ce qui s'est passé. C'est le rôle de l'historien. C'est à vous, Frédéric. Merci pour cette conférence très riche, nous avons beaucoup appris. Tout l'apport des philosophes, je me réfère aux déclarations du droit de l'homme. Déclaration du droit de l'homme, si nous faisons une lecture justement de droit, nous retrouvons toutes les idées des philosophes. Cela, moi je pense, que c'est l'apport et ensuite quand vous parlez de la France, moi je pense qu'il n'est pas possible de parler de la France, des France. Il n'y a pas une France, c'est-à-dire il y a des France. Et là je rejoins ce que vous dites parce que quand même vous avez essayé de voir l'histoire d'en bas surtout. Et je crois qu'il est intéressant de mêler un historien. Là, je me pose avec vous une démarche méthodologique. C'est-à-dire, est-ce que l'historien, parce que là, votre démarche s'oppose à ce que se faisait par exemple hier à Dolan. Lui, il a beaucoup mis l'accent sur justement les philosophes, il a essayé de faire sa démarche à partir justement de ça. Vous avez fait le contraire, vous complétez, mais moi je vois le contraire. Moi je pense que historiquement, méthodologiquement, c'est pour arriver à déceler justement à voir cette évolution, il faut avoir les deux, il faut joindre les deux. Et la formation théorique et la formation de documents, parce que ça permet d'aller encore plus loin. Donc, pour les droits de l'homme, la question que je vous pose, vous êtes mieux placé que moi pour essayer de répondre, historiquement, nous avons vu comment cette révolution a été préparée. Elle n'est pas liée au XVIIIe siècle,
c'est un révolutionnaire qui venait de loin. Il faut voir depuis la révolution, la Renaissance avec l'humanisme et toute cette évolution qui allait avec le 17e siècle et tout cela, et que la révolution était un aboutissement. Et c'est un aboutissement, mais c'est un aboutissement qui a été très bien utilisé, malheureusement utilisé par la bourgeoisie. Par la bourgeoisie, vous me corrigez, peut-être que je me trompe, vous êtes même. Mais quand je lis les déclarations de droits d'homme, avec le droit de propriété, avec tout cela, ça renvoie beaucoup plus. Qu'est-ce que c'est qu'un bourgeois? C'était tout, le texte disait, c'était tout financièrement et rien politiquement. Là, c'est une. Et j'aimerais aussi que vous me parliez, aussi parce que les gens croient que le printemps arabe est nouveau, mais que le printemps arabe nous vient. Un temps européen de cette époque, justement. Et merci. Je vous remercie de ce débat que vous me proposez et que je trouve tout à fait passionnant. Et je dirais tout de suite à l'envers que c'est précisément en fonction de ce que vous appelez le printemps arabe que j'ai aussi un peu durci ma position. J'avais pris position dans une tribune du Monde pour dire que, pour moi, il ne fallait surtout pas comparer le printemps arabe à 1789, parce qu'on ne comprendrait rien. Que si on change de contexte, si on change de jeu politique, on ne peut pas prendre les choses terme à terme. Et qu'il n'y a pas de lien. Qu'il y a des influences, on peut les trouver, les influences. Bon, je m'explique, moi je. Oui, oui. Je ne dis pas. Mais je ne pense pas qu'on soit dans des accords là-dessus. Que maintenant, les gens croient que oui. Le printemps a été emprunté de terre. Oui, oui. Oui. Bon, je clôt là-dessus. Bon, je clôt là-dessus pour reprendre vos réflexions, qui sont très riches et qui nécessitent quand même que je vous réponde. Alors, mettons-nous bien d'accord. Moi, je ne considère pas que les philosophes aient joué un rôle négligeable. On est bien d'accord. Bon. Ce au contraire, je dirais qu'il y a un débat, mais que ce débat est plus large que celui qu'on veut garder. C'est pour ça que j'ai incidemment, comme ça, sans y toucher, parlé des prêtres, c'est Grégoire, c'est Lamourette, c'est Fouché, qui écrit clairement, il y a un téléphone qui s'obstine, absolument, donc, qui était de tous ces curés patriotes qui, dès 1787-88, estiment qu'on ne peut pas être bon chrétien si on n'est pas bon citoyen. C'est-à-dire, et ça, c'est fondamental. C'est-à-dire, il n'y a pas un courant général qui serait porté par les philosophes laïcs ou plus ou moins laïcisés, qui réformerait la société, je dis en toute indépendance d'esprit, tranquillité. Il y a au contraire convergence entre une demande portée par un certain catholicisme qu'on pourrait dire patriote, qu'on pourrait dire progressiste, et des demandes portées par Rousseau ou par Diderot ou par Montesquieu. Bon, c'est l'ensemble qui façonne quelque chose qui existe et qui fait que, et là vous avez raison, mais je voudrais revenir, dans tous les pays qui tournent autour de l'Atlantique, tous les pays, l'Amérique, l'Irlande, la Hollande, la Belgique, Genève, il y a les mêmes revendications. Les mêmes revendications. Randy parlait tout à l'heure de la citoyenneté en 1776, c'est en père en New Jersey, Pennsylvanie, Massachusetts, qu'il y a aussi les décisions les plus libérales qui existent dans l'ensemble du monde. Alors, et ça, c'est porté peut-être par les philosophes, mais aussi par la culture protestante et une culture communautaire. Non, on est là dans quelque chose qui est extraordinairement général, qui mobilise tout le monde, qui fait par exemple quelque chose qu'on oublie tout le temps, c'est que dans les Pays-Bas révolutionnaires, les catholiques sont pour la révolution, parce que les protestants avaient interdit aux catholiques d'être citoyens, et que la révolution des Pays-Bas permet en 1794, en 1780, c'est 86-87, permet de donner aux catholiques la citoyenneté, ce qui est paradoxal, alors qu'en France, c'est le contraire.
Non, il me semble qu'il est nécessaire là de comprendre le jeu social, le jeu politique et les antagonistes sociaux de chaque pays. Alors quand je dis ça, ou je ne suis pas d'accord du tout avec vous et je vous pardonnerai, moi je ne fais pas l'histoire d'en bas. Je fais l'histoire de l'articulation du bas et du haut. Les lois, c'est en haut. Ce sont les conventionnels qui les prennent. On est bien d'accord. Je n'ai pas parlé du bas. Je n'ai parlé que du haut. Et il me semble absolument nécessaire, c'est pour vous répondre, c'est-à-dire que si nous restons, je vais vous le dire d'une façon un peu brutale, vous pardonnerez, si nous restons dans une histoire que je dirais bien linéaire, hein, en disant il va y avoir un progrès continu et des connaissances, et du progrès mental, et des mœurs. Et l'arrivée de classes sociales, mais de bourgeoises, qui prennent le pouvoir. Alors là, la Révolution française, c'est l'horreur absolue. Il y avait tout réuni pour que ça marche, et c'est la pire des choses. Alors, il me semble que si on est dans cette vision linéaire, sur laquelle nous butons en permanence, parce que nous n'en sortons pas, et nous n'avançons jamais, et il me semble qu'il est au contraire nécessaire de reposer le problème, c'est ce que j'essayais de faire en disant bon, il y avait des idées, elles étaient communes à l'ensemble d'une humanité au même moment, elles se sont incarnées en France à un moment donné, disons-le clairement, par hasard, parce que le roi était cela, parce qu'il n'a rien, il voulait réformer, il en était incapable, et que c'est dans l'effet de la contextualisation et de l'aléatoire politique qu'il y a eu l'échec. Alors, analyser un échec, c'est pour moi permettre de solutionner un problème, d'éviter d'avoir des illusions et éventuellement d'être acteur et actif ensuite. Et il me semble que si on passe par là, c'est pas forcément agréable, mais au moins on peut essayer de reconnaître où sont les responsabilités, ce qu'on a raté et pourquoi ça a raté. Donc, si vous voulez, c'est ça que j'essaie de faire en disant histoire des idées, ok, il faut la faire. C'est indispensable, je n'ai rien contre. Sauf que je maintiens que cette histoire des idées désincarnées, c'est une histoire des idées qui est politiquement peut-être impotente, pour le dire d'une façon peut-être polémique, mais je dirais que je parle de la situation française que je connais. Bon, et de la situation française que je connais, il me semble que si on commençait par pallier devant notre porte, on sortirait d'un certain nombre d'illusions et on pourrait certainement vivre autrement. Dernière chose, si vous me permettez, c'est que lorsqu'on regarde, là, c'est tout simplement du point de vue que j'ai répété ici, de l'attribution d'un rôle politique accordé aux femmes. Qu'est-ce qui se passe ? Pas du tout un progrès au moment de 1789, mais les femmes au XVIIe siècle ou au XVIIe siècle jouaient des rôles politiques reconnus. C'est-à-dire que là, il n'y a pas eu de progrès, mais il y a eu régression. Et ça aussi, c'est une question qu'il faut se poser. Professeur Mamasseri. Une question très simple à vous poser. Est-ce que les femmes étaient-elles imposées ? Oui, c'est une question d'histoire. Alors, oui et non. C'est une réponse qui n'est pas de normand. C'est les femmes sont considérées. Les femmes sont considérées comme dépendantes de leur mari, mais lorsque les femmes sont veuves, elles peuvent être chefs d'entreprise. Et lorsque les femmes sont marchandes indépendantes, elles sont imposées, et ou même fermières, elles sont là aussi considérées comme chefs d'exploitation. On sait qu'en juin 1793, de façon très précise, lorsqu'il y a ce qui s'appelle le partage des communaux, donc des biens communaux dans les paroisses, on sait que peut-être dans mettons une centaine de communes en France, d'une façon sûre et certainement davantage, des femmes ont participé en tant que chef de famille au vote pour le partage des communaux. C'est-à-dire qu'il y a bien, derrière tout ce que j'ai dit là, la reconnaissance ponctuelle
actuelle d'une indépendance des femmes. Et pour prendre un exemple très précis, c'est les femmes qui sont à la tête de maisons d'armement naval, notamment Saint-Malo. Les armatrices sont indépendantes et sont, de point de vue-là, traitées comme des hommes, si je veux dire. Mais ça ne veut pas dire que l'égalité existe. Alors, une dernière petite question par ici, s'il vous plaît. Est-ce que peut-on parler de votre avancée juridique, des lois dont vous venez de parler, qui sont bénéfiques ou non pour l'avancée de notre sujet à la citoyenneté pour la femme? Écoutez, moi je vais vous dire que c'est déjà presque au détriment des femmes, mais dans la mesure où ces lois ont posé le problème, et surtout où ces lois ont répondu, moi c'est ça qui me semble essentiel, c'était au moins l'essentiel de ma contribution ici, c'est de dire le législateur peut fermer toutes les portes, fermer toutes les fenêtres, il ne peut pas, malgré tout, ne pas tenir compte de la pression sociale. Cette pression sociale qu'il n'a pas voulu admettre, le législateur l'a traduite maladroitement par des lois qui ont tenu compte quand même des femmes, même mal, mais elles l'ont fait. Merci beaucoup, professeur Martin. Merci à l'audience. On se retrouve demain à 9h sur Autour d'une table, archives et citoyenneté. Et il y a une deuxième, d'abord à 9h.